dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est pas un vlog, ça va être juste une petite vidéo comme ça où je vais vous montrer mes derniers achats et puis je vais vous montrer mes petits colos terminés que j'ai fait. Donc j'ai terminé ma double page Kirby Rosanne et puis j'ai fait juste un petit tsum tsum. En ce moment en fait je ne colo mais alors vraiment vraiment pas beaucoup. Comme il fait beau je vais dehors. Nous sommes en vacances, pas dimanche là mais l'autre pendant 3 semaines. Donc comment vous dire que là j'essaye de faire un maximum de ménage. Non pas parce que pendant les vacances je ne vais pas faire de ménage, c'est pas ça. Mais vous voyez là je pousse tous mes meubles, je pousse tout. Un petit ménage de printemps. Enfin je le fais quand même assez régulièrement en même temps. Mais j'ai pas envie de faire ça pendant mes vacances, voyez. Je ferai juste un petit coup de poussière, un coup d'aspi et voilà. Donc je m'avance là-dessus. Là en plus dernièrement on a refait tous nos toilettes. Parce que je sais pas si je vous avais expliqué mais en fait ils nous ont changé la VMC. Et quand ils ont changé la VMC qui ne fonctionnait plus, il y avait plein de flotte dans les tuyaux. Et ils ont, eux ne savaient pas non plus quoi. Donc quand ils ont enlevé dans les toilettes toute la flotte, toute la merde, enfin c'était pas de la merde, c'était comme on dit, vous savez des moumoutes mouillées, tout ça dans les tuyaux qui étaient descendus, mais tout dans mon toilette, ça avait explosé le papier peint et tout, enfin bref. Bon après c'était pas de sa faute, le plombier m'avait dit, écoutez, si vous le refaites vraiment, envoyez-moi la facture. Mais bon, lui-même ne le savait pas. Moi, à la base, je voulais déjà changer mes toilettes. Donc, écoutez, de toute façon, pour 3 rouleaux de PQ, enfin, de PQ, pardon. Pour 3 rouleaux de papier peint, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, comme ça, on a refait nos toilettes. Je suis trop contente. On a refait le plafond, tout ça. Donc, vous voyez, j'arrête pas, quoi. Là, hier, j'ai ma fille, on est allé au coiffeur toutes les deux. On est revenu. Elle a voulu que j'essaye de lui faire ses ongles en gel. Ma plus grande, hein, bien sûr, pas ma plus jeune. Donc, j'ai essayé de lui faire ses ongles en gel. Donc on va voir si ça tient ou pas, parce que sur moi j'y arrive. Bon là mes mains en ce moment je les fais pas trop, mais là j'avais fait mes pieds. Donc voilà, enfin bref, tous les jours, tout le temps, j'ai l'impression de galoper, on fait tout le temps plein de trucs, il y a le dehors. Faut tondre, faut. Enfin bref, hein, comme un peu tout le monde, mais là c'est vrai que c'est pas la bonne période, moi spécialement pour colo. Le colo, c'est vraiment quand j'ai 2 minutes, puis encore parfois quand j'ai 2 minutes, en fait je me repose. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que là voilà, donc je vais faire juste une petite vidéo toute simple. Elle sera peut-être pas bien longue, mais voilà. Plutôt que de faire un long vlog sans rien vous raconter vraiment de spécial, voilà. Et comme j'ai pas fait beaucoup de colos, j'ai pas envie à la fin du mois de vous dire bon voilà mes colos, puis vous montrer 2, 3 colos. Non. Je vais vous les montrer là au fur et à mesure pendant un petit temps, peut-être juillet, août, peut-être que je reprendrai des longs vlogs, je sais pas. Je vais voir comment ça va se dégoupiller tout ça. Donc écoutez, je vais commencer par mes petits achats. Alors j'ai fait un achat qui n'a rien à voir. En fait c'est ça. C'est le gel UV transparent pour faire les ongles. Voilà. Moi j'ai acheté celui-ci sur internet. Je vais voir ce que ça donne. Voilà pour le hors colo. Ensuite, j'avais ce Tigal. Mais il y a super longtemps que je l'ai. Il y a peut-être, je sais pas, 3-4 ans, peut-être même. Mais en fait, je m'aperçois que parfois, quand je tourne, ça tourne dans le vide. En fait, il taille plus. Il taille une fois sur trois, quoi, on va dire. Donc là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Déballer l'autre, mais je me suis commandé celui-ci. Voilà, un autre Tigal. Et je l'ai pris bleu parce que bleu est ma couleur préférée. Et du coup, je l'ai pris transparent parce que celui-là, en fait, je pense pas forcément à le vider parce que je vois pas l'intérieur, en fait. Non, mais c'est vrai. Alors là, du coup, j'ai pris un transparent. Donc, comme ça, quand il sera plein, on verra. Je trouve ça rigolo. Voilà. Donc, je me suis pris un autre Tigal. Donc, ça, c'est sur Amazon. Ensuite, sur Amazon, j'ai reçu ça hier. D'ailleurs, tiens, je vais prendre mon ciseau. J'ai reçu ça hier. Hier ou avant-hier même, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Hop. Voilà, je me suis repris des Jelly Rolls. Alors moi, je prends la pointe 10 et c'est 3 pointes 10. Pas si je me suis pas plantée, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est celui-là en Jelly Roll 10. Et en fait, celui-ci c'était mon dernier et je les aime trop. Là, celui-ci, j'essaye de le terminer pour pas le perdre, mais moi, franchement, le débit, j'aime pas du tout. Que celui-ci, voilà quoi, il va tout seul. Enfin, moi, j'adore. C'est le, vous voyez, les trois j'ai utilisé, du coup, j'en ai racheté trois. Voilà. Et surtout en pointe 10, enfin, moi, c'est ce que je préfère parce que je trouve que les autres tailles, sinon, c'est trop petit. Voilà pour ça. Ensuite, je suis allée chez Cultura. Et après, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal pour mes petits achats, j'ai envie de dire. Surtout que je colo pas beaucoup en ce moment. Donc, alors, j'avais écrit là-dessus, vite fait. Alors, ça, c'était mes crayons polis que j'ai bouffés en faisant ma double page Mythomorphia. Et je ne les ai pas trouvés à Cultura. Donc, je pense qu'il faudra peut-être que je les commande sur Internet. Je verrai bien. Pareil, là, tout ça, c'est mes Pits. Donc, les feutres Faber-Castell Pits.
que j'utilise pour faire mes mystères. Voilà, c'est des points de brush. Alors moi, je n'ai j'ai que cela. Après, j'ai les Pen 68, mais franchement, je les utilise très très rarement. Moi, je fais mes contours au Peppermint. Maintenant, j'essaie de les faire à la fin parce que ça bavouille un peu quand même. Et voilà, donc j'ai racheté cela. Mais après, il me fallait 246 parce que ça fait un moment qu'ils l'ont plus. Et moi, j'en ai plus, mais je n'ai toujours pas trouvé. Il me fallait le 272 que j'ai pas trouvé en gris. Et il me fallait le 174 un peu vert kaki que j'ai pas trouvé non plus. Franchement, des fois, Cultura, on se demande s'ils font le remplissage de la rime, quoi. Bref, donc j'ai pris ça. Et j'ai pris lui parce que, pareil, l'autre, il est bientôt vide. Voilà, regardez, on voit plus du tout là-dedans. Tiens, je peux peut-être le dévisser. Ah ben voilà. Ouais, il me restait que ça, vous voyez. Et en fait, ça a un super bon débit. Je vais vous faire voir dans mon mytho. Et je l'adore, en fait. Et c'est la marque Cultura. Avant, j'en ai quelques-uns. C'était des... comme ça. Des signaux. Uniball. Ils sont bien aussi, mais je sais pas. Cultura, je les vois plus. Donc, j'en avais acheté un ou deux comme ça de la marque Cultura. Et en fait, ils sont super bien. Il y a un super bon débit. Nickel. Il y a plein de paillettes. Donc, bah, je m'en suis repris. Hein. Voilà. Je range ça là dans ma petite si dans mon petit ouais dans mon petit pot à paillettes là. Et puis bah voilà donc pour mes achats. Donc les, ça je vais pouvoir les remettre dans ma boîte. Ah voilà, mince, je cherche le nom. Backup on dit je crois. Voilà. Donc bah écoutez, là je vais vous montrer mes petits coloriages que j'ai fait ces derniers. Dernière semaine, on va dire, parce que Mythomorphia, je sais plus combien de temps, ça fait bien au moins 2 semaines. Ouais, mais enfin, bon, ça fait 2 semaines que je suis dessus, mais des fois, j'ai presque été, je crois, 1 semaine sans colo. Donc, comment vous dire que... Là, il y a un matin, vite fait, j'ai fait un tsum tsum. Alors, attendez, je sais plus c'est quelle page, je vais vous montrer vite fait. Hein. Pareil, j'étais en train de regarder Good Doctor. Voilà, c'est la page 35. Okay. Bah, tiens, je vais laisser sortir, comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que j'ai utilisé dans mon... J'écris toujours moi dans mon petit carnet, vous voyez, un petit carnet tout simple, moi, la petite déco de ma fille, tout ça. Moi je fais comme ça, oui, je m'embête pas, je mets le nom du livre et je mets quel matériel. Vous voyez, j'ai fait que ça là, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas beaucoup, mais je vais pas me forcer non plus à dire, voilà, faut que je fasse du colo, j'ai ma chaîne. Ah bah ça c'est ma fille, j'ai mis là, vous savez, la fête des parents, école, bref, elle nous a fait ça. Donc page 35, je me suis mis dans mon canapé et j'ai fait lui. Et je trouve qu'on voit la différence quand même. Regardez, là même la peau et tout. Vous voyez là? Là. Et lui. Bah lui, je l'ai fait tout au Faber-Castell Pitts. Et je trouve qu'on voit bien la différence quand même. C'est vrai que c'est des bons feutres. Moi, j'aime bien là. J'aime bien la peau, la couleur et tout. J'aime bien ce qu'il donne. Bon, lui, je pense pas que je vais le faire parce que ma fille, elle avait commencé à le gribouiller. Et non, j'en avais déjà récupéré un qu'elle avait gribouillé. Mais là, comme je fais des croix, j'ai pas envie. Alors, je crois qu'il m'en reste plus beaucoup hein, dans celui-là. Il m'en reste 1, 2, 3. Il m'en reste 5 à faire. Donc, j'espère que je vais arriver à le finir. Mais comme je colore pas beaucoup, je vous dis, je n'avance pas beaucoup. Et donc, je vais vous montrer ma double page Kirby. Alors, je vais peut-être vous remonter un peu du même coup. Voilà. Pour moi, c'est pas le plus beau colo que j'ai fait, mais franchement, pour une première page Kirby, j'ai envie de vous dire qu'il bah, il me plaît plutôt bien. Voilà. J'y ai passé du temps, mais en fin de compte, je vous dis, j'ai été 1 semaine sans colo, je m'en mettais dessus, j'étais 2 jours sans colo, donc en fait, j'ai pris mon temps. Alors, voilà ma double page. Et je vais vous dire, à force de le voir, bah, j'en ai un peu marre de voir du violet, en fait. Il était temps que je le termine. Voilà, est-ce que vous le voyez bien? Bah, ça m'a l'air pas trop mal. Si je fais j'éteins la lumière, est-ce que c'est mieux? On va faire sans lumière, écoutez. Voilà ma double page. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé et puis après je vais vous le montrer d'un peu plus près. Alors, toute la bête a été faite au polychromos avec un effet poil que je vous ai montré dans un vlog, je crois. Juste avant. Les arbres... C'est du drawing. Alors, c'est l'effet des passions de Morgane. Après, c'est pas forcément le même combo parce que moi, je prends mes drawings, oui, mais je crois qu'elle doit utiliser peut-être 5-6 crayons. Enfin, je sais pas trop. Hein. Mais moi, là, j'ai dû en utiliser 3. Voilà, j'utilise 3 crayons et ça me donne ça. Mais sinon, c'est bien le style de... J'ai récupéré le style de tes passions de Morgane. Je préfère le dire. Voilà. Ensuite, après, je vais rallumer quand même parce que j'ai mis de la paillette. Donc, je vais vous refaire voir.
Comme ça, on voit allumé, et, enfin, lumière allumée, lumière éteinte. Alors, j'étais trop contente de moi parce que j'ai utilisé de l'aquarelle dans ce colo. Tous les espèces de nuages verts, c'est de l'aquarelle. Vous savez, attendez, je vais vous la remontrer. C'est celle-ci que j'ai pris moi. Donc, c'est la art philosophique, pardon, current. Et, alors, je vais vous montrer parce que je crois que je ne vous avais pas montré, mais ça y est, j'ai fait le petit nuancier. Je ne sais plus si je vous avais montré. Et moi, je voulais du bleu et du vert parce que je fais beaucoup de bleu, bah, le ciel, l'eau, j'ai envie de dire. Et le vert, bah, voilà, la nature, c'est tout moi. Donc, après, si je veux des couleurs, éventuellement, j'avais déjà dit que j'avais la palette, comment c'est? Oh là là, puis mon aquarelle, vous savez, je ne m'y connais pas des masses. Où est-ce qu'elle est? Celle-ci, là. Et voilà, la Sony. Voilà, j'ai l'aquarelle Sony, donc bah, si je veux des petites couleurs, celle-ci, elle est très bien. C'est mon bureau qu'il va falloir que je range aussi. J'en avais parlé à une YouTube. Oh, je vais y arriver. À une YouTubeuse, pardon. Qui est colo aussi, et elle avait rangé son bureau. J'ai dit, bah, tu m'as donné envie, mais je ne l'ai toujours pas fait. Bref, voilà. Donc ça, c'est le nuancier de ma petite palette que j'adore. Et voilà, on voit, j'ai utilisé celui-là. J'en ai utilisé deux. Bah, celui-là à côté, en fait. C'était lesquels? 1, 2, 3. Bah, c'était ces deux-là. Voilà. J'ai utilisé ces deux-là pour faire les espèces de petits nuages. Et bah, j'ai trop bien aimé et ça a été carrément rapide, quoi. Au début, je me suis dit, wow, s'il faut que je fasse tous les nuages avec un gros petit dégradé au crayon, ça va me prendre combien de temps? Ah, bah, là, je vous dis, j'ai mis une première couche de clair et après, avec mon vert plus foncé, je suis venue foncer. Et voilà. Et donc j'ai détouré au Posca jaune. Il y a du gel paillette et du Posca et de la pastel sec. Et j'ai pas marqué, mais il y a du Jelly Roll. Voilà. Donc je vais essayer de rallumer peut-être pour vous faire voir la paillette. Bah, quand on allume. Donc voilà. Alors, vous avez vu, alors il y a de la paillette là dans les. Là-dedans, là. Dans les espèces de drapeaux. Donc le violet que je vous montrais là de Cultura. Il est super bien, moi je trouve, j'adore. Après, là, ici, j'en ai mis un peu autour. Vous allez voir du rose, normalement, si on arrive à le faire voir. Ouais, un tout petit peu. Parce que je trouvais qu'ici, ça faisait vide quand même. Donc là, j'ai détouré avec de la paillette. Un peu, là aussi. Là, j'ai fait le petit truc en paillette. Là, j'ai fait mes petites fleurs en paillette. Vous voyez, ça brille. Là, bah, rebelote, j'ai refait mes petits drapeaux. Voilà. Là, j'ai mis un peu de rose paillette aussi. Enfin, voilà. Voilà ce qu'il donne. Et enfin, quand même, enfin, je trouve qu'il est pas mal. Je me vante, mais c'est ma première page, ma première double page Kirby. Donc, franchement, et j'espère bien retourner, quoi. J'aime beaucoup cette double page. Bon, par contre, c'est vrai que je l'ai beaucoup vu, donc je vous dis, ça me saoule un peu maintenant, mais voilà. Contente, contente d'avoir fait ça. Je trouve que l'effet poil donne plutôt bien, hein. Je me suis pas trop mal démerdée. Vous me direz ce que vous en pensez pour un effet poil long. Je trouve que ça va. Mais je vous dis, je l'ai tellement vu. Ah oui, et puis je ne vous ai pas dit, je crois, je n'ai pas écrit. Moi, Sandrine, bah, j'ai fait le fond à la pastel sec. Vous me connaissez maintenant. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas écrit. Tiens, je vais l'écrire quand même. Fond pastel sec. Fond pastel. Voilà. Voilà. Pour. Ce colo, alors je le montre un petit peu longtemps parce que j'y ai passé du temps hein, quand même, donc comment vous dire. Alors le ciel en vrai, je crois qu'on le voit mieux quand j'éteins la lumière, vous voyez, il fait un peu plus rosé quoi. Mais je voulais quand même quelque chose de pastel parce que je trouve que tout ça, ça prend déjà beaucoup de place. Et je m'étais dit, si je fais trop foncé, ça va pas ressortir, que là ça fait clair le ciel, je trouve que, ben voilà, ça ressort plutôt bien. Eh bien écoutez, voilà. On va terminer cette petite vidéo bah, qui aura pris quand même une quinzaine de minutes. Hein. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Et puis voilà, plutôt que de faire un long vlog et puis raconter n'importe quoi, et ben voilà, au moins vous voyez quand même mes petits colos terminés. Là, va falloir que je choisisse mon prochain colo, sachant que comme je ne colo pas beaucoup, j'ai envie de vous dire que bah, il faudrait peut-être pas que je re-choisisse, que je rechoisisse pardon, une double page. Je dois sentir de l'eau, j'arrête pas de bafouiller. Et puis ouais, il faut que je choisisse. Peut-être sur un Disney, je vais voir. Je vous montrerai ça peut-être dans une autre prochaine petite vidéo comme ça. Eh bien écoutez, je vous dis à plus tard. Et puis, bah bon colo. Bye bye.